L'ancien chef de la junte militaire de 2008 est en Guinée depuis ce week-end. Moussa Dadis Camara a discrètement regagné Conakry sans bruit. Toutefois, peu d'informations filtrent sur les contours de ce retour. Le sujet est tabou dans les milieux de l'élite politico-administrative. Dadis est bien en Guinée, je ne pourrais vous en dire plus, glisse une source gouvernementale à un journaliste d'AfricaGuinée.com. Même chez les plus proches de l'ancien dirigeant du CNRD, Conseil national pour la démocratie et le développement, la nouvelle de ce retour surprend. C'est vous qui me l'apprenez. Je ne suis pas au courant. La famille n'a pas été mise au courant. On apprend comme tout le monde, mais on ne l'a pas vu, confie un proche. Dadis Camara est guinéen comme nous tous. Il peut aller et venir comme tout citoyen libre de ses mouvements, nuance un autre membre de sa famille, précisant toutefois qu'il n'avait pas pu échanger avec son frère. Le CNRD entretient le silence sur le retour de Moussa Dadis Camara, alors qu'en novembre dernier, il s'était amplement exprimé à travers une série de communiqués. Dans quel cadre l'ancien président est-il en Guinée? Combien de jours va durer son séjour? Mystère. Cette fois-ci, la junte militaire au pouvoir n'a encore rien dit. Arrivé au pouvoir en décembre 2008 par un coup de force militaire avec un groupe d'officiers, suite au décès du général Alassane Conté, le capitaine Moussa Dadis Camara a dirigé la Guinée pendant une année. Son règne éphémère avait été marqué par les événements du 28 septembre 2009, dossier dans lequel il est inculpé avec une dizaine de personnes, dont des officiers de l'armée. Le 3 décembre de la même année, il avait été la cible de la part de son aide-de-camp, Toumba Diakité, lui aussi inculpé et écroué depuis 2015. Blessé à la tête, l'ex-homme fort de Conakry avait été évacué vers le royaume chérifien. Après son séjour médical éclair au Maroc, il avait atterri au Burkina Faso pour poursuivre sa convalescence. Commence alors une longue traversée de désert pour lui, écarté du pouvoir. Il vivra en exil forcé à Ouagadougou jusqu'à la chute d'Alpha Condé. À la faveur de l'arrivée de Mamadi Doumbouya au pouvoir, l'enfant de Koulé a pu rentrer en Guinée en décembre dernier suite à une autorisation expresse de la junte. Il n'avait cependant pas pu arriver à Ndjerékoré, sa ville d'origine, où il était pourtant très attendu. Son bref séjour avait été marqué notamment par sa réconciliation avec le général Sékouba Konaté sous les auspices du tombeur d'Alpha Condé. Avant de prendre congé du colonel Mamadi Doumbouya, les deux anciens chefs d'État guinéens avaient fumé le calumet de la paix, enterrant définitivement la hache de guerre. Que cache réellement ce retour en catimini de l'ancien homme fort du CNDD? L'avenir nous édifiera.